De par les circonstances, il faudra sans doute que l'on soit très, très concis, très simple, surtout que l'on restaure et que les joueurs s'accaparent ce que l'on veut mettre en place avec un objectif. C'est la particularité du premier match qui sera, dont qu'il faudra prendre en considération. Donc voilà, donc on va essayer de mettre ça très très vite. Sur pied et surtout que ce soit, d'après moi, très très simple. Il faut que ce soit simple. Mais c'est compliqué de faire simple. Le fait qu'il y ait un changement, déjà, bon, va les interpeller sans doute. Le fait qu'ils aient des discours, ou du moins des intervenants différents, va les sensibiliser. Nous, on va essayer de les mettre, je répète, dans les meilleures conditions. Donc, on va partir sur des bases assez simples, sur un canevas qui, je l'espère, ils vont s'y trouver bien. Il y a un premier match qui sera particulier parce que l'Irlande, elle a quand même un mode de fonctionnement un petit peu particulier, un jeu particulier auquel il va falloir que l'on réponde. Donc voilà, je crois que c'est à travers la vie de tous les jours, et notamment ces 15 premiers jours qu'on va passer ensemble, que l'on va, je l'espère, être capable de créer le climat qui va leur permettre d'aller vers la victoire. Jacques, est-ce qu'il y a un héritage? Est-ce que vous allez hériter quand même de ce que l'équipe précédente a fait? On vient d'en parler en termes de niveau de jeu, mais voilà, est-ce que vous allez utiliser la base? Il y a eu du travail de fait là quand même sur ces 2 dernières années. Oui, on va surtout pas, on n'est pas là pour faire une cassure. De toute façon, le potentiel des joueurs, il existe, il est là. Et ça, on va utiliser, je ne sais pas exactement, mais une bonne partie de ceux qui étaient déjà là. Donc, ça veut dire qu'ils amènent leur qualité, ils amènent leur enthousiasme surtout, on va vouloir. Et puis, on va essayer de les mettre dans les meilleures conditions, surtout, parce que je reviens à l'idée première, à savoir que c'est, je crois, un climat où ils se sentent bien, un climat de confiance. C'est sûr que l'accumulation de résultats négatifs n'a pas renforcé cette confiance. Au contraire, sans doute qu'elle s'est dégradée. On va essayer de créer un environnement qui de suite, les rende performants, du moins ils se sentent dans les meilleures conditions. Ce sera surtout ça, et qu'ils s'accaparent les quelques idées qu'on va leur donner. Jacques, dans quelles conditions vous allez aménager un petit peu l'emploi du temps entre Marcoussis et éventuellement la province? On a parlé d'Aix-en-Provence. Est-ce que vous pouvez confirmer et expliquer pourquoi? Oui, on va modifier un petit peu le fonctionnement sur le tournoi. On va entendre ce qui a été dit, même si. Je répète, c'est toujours pareil, quand la victoire n'est pas là, le climat de morosité s'installe, c'est obligatoire. On va essayer de couper un petit peu le fonctionnement tel qu'il était, à savoir qu'après l'Écosse, on va laisser les joueurs retourner chez eux, retrouver les leurs, et on se retrouvera ensuite à Aix-en-Provence, on va décentraliser un petit peu, on va sortir de Marcoussis, on va aller un petit peu en province, préparer le match de l'Italie à Aix-en-Provence à partir du vendredi, je crois, c'est-à-dire une semaine ou 9 jours précédant la rencontre, et on va y rester 3 ou 4 jours de plus. Il y aura ensuite une coupure à nouveau de 2 jours avant de se retrouver pour préparer l'Angleterre ici. Bonjour Jacques, les situations de Julien, Jean-Baptiste, de tout le staff, Sébastien aussi, sont différentes. Comment on fait pour bâtir à moyen terme avec un équilibre précaire, un équilibre instable? Quelles sont les chances en gros de retrouver le même staff l'année prochaine avant le tournoi Destination 2019? Mais, sauf si le président de la fédération prend une décision comme celle qu'il a prise il y a pas longtemps. Sinon, je ne vois pas pourquoi on ne serait pas là. Ce sont des garçons, je répète, avec qui j'ai passé du temps, qui ont été internationaux. Ça compte aussi d'avoir été au niveau international. Ils connaissent les exigences. Ils ont entraîné un club ou ils sont encore en train d'entraîner un club.
Et Julien, lui, vient juste d'arrêter il y a 6 mois. Donc, c'est des gens qui sont confrontés à la compétition en permanence ou qui l'étaient il y a très peu et qui connaissent le niveau international et avec qui j'ai une confiance totale. Donc ça fait quand même beaucoup d'éléments favorables pour que notre histoire continue longtemps, j'espère. Dans moins de 2 ans, il y a la Coupe du Monde. Dans moins d'un mois, il y a le tournoi de destination. Est-ce que vous avez l'impression d'arriver et de devoir travailler dans l'urgence ? C'est évident. Mais je me projette pas sur la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, il se passera plein d'autres choses avant. Il y a des marches à gravir avant. Il y aura la Coupe du Monde, on le sait, c'est toujours un moment spécial, avec une préparation spéciale, avec beaucoup de temps où l'on peut passer ensemble. Donc aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est le tournoi et surtout le premier match. Voilà. Et on va se préparer par rapport à cette rencontre, connaissant les délais qui nous sont donnés. Justement, Jacques, compte tenu de cette urgence, quel objectif peut se fixer l'équipe de France sur le tournoi à venir ? J'ai déjà dit, l'ambition, ce sera de remettre l'équipe de France là où elle a été souvent, à savoir de prétendre tous les ans au gain du tournoi. Je dis bien de prétendre, d'être dans les dernières rencontres, d'être encore à la bagarre pour pouvoir prétendre gagner le tournoi. C'est cet objectif-là qu'on va se fixer. Donc ça veut dire que l'Irlande est fondamentale pour cet objectif-là. Jacques, est-ce que pour le tournoi, pour la tournée, vous avez déjà eu des accords d'entraîneurs de top 14 qui vous ont dit on viendra faire une pige, on viendra passer une semaine de vacances, travailler avec vous sur le temps de tournoi? Il s'en est beaucoup parlé, je ne vais pas trop y revenir, mais effectivement, j'ai contact avec des entraîneurs. Dans le rapport qu'ils veulent avoir avec l'équipe de France, dans la collaboration directe ou indirecte, la plupart, ils sont là, on va les avoir en réunion, ils sont favorables à cette collaboration, sous une forme ou une autre. Voilà, j'y crois fortement. Alors, au fil du temps, elle va s'affiner. J'espère que l'équipe de France va retrouver la place qu'elle doit avoir. Et j'espère, bien sûr, qu'on va continuer à collaborer dans ce sens-là.